Les œufs sont l'un des aliments qui devraient être classés comme superaliments tant qu'ils sont biologiques ou élevés à l'extérieur. Grâce aux divers nutriments qu'ils contiennent, plusieurs recherches ont montré leurs bienfaits pour le corps humain. Cependant, des études récentes ont montré que les œufs sont également très bénéfiques pour le cœur. Effet des œufs sur le cœur. Selon une étude de scientifiques américains, la consommation d'œufs de poule et de produits à base d'œufs de poule est utile pour les vaisseaux cérébraux. Un œuf par jour suffit pour réduire de 12% le risque d'AVC chez les personnes âgées. Les chercheurs ont souligné que les œufs contiennent des antioxydants qui abaissent la pression des cellules d'oxygène et suppriment les processus inflammatoires. De plus, les œufs sont une excellente source de protéines, ce qui réduit également la pression dans les vaisseaux. Les scientifiques ont tiré leurs conclusions de l'analyse de cette étude sur les effets de divers aliments, y compris les œufs, sur la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Selon ces analyses, la consommation d'œufs était associée non seulement à une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral, mais également à une diminution de 3 à 10% du développement de la maladie coronarienne. Dans une autre étude, publiée dans la revue AT en mai 2018, une équipe de chercheurs a examiné les habitudes alimentaires de 416 000 personnes de plus de 50 ans sans maladie cardiaque ou diabète. Ils ont ensuite surveillé leur santé pendant 9 ans. Les chercheurs ont découvert que les sujets qui mangeaient régulièrement des œufs étaient moins susceptibles de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une maladie cardiaque que ceux qui ne le faisaient pas. En particulier, ceux qui mangeaient un œuf quotidiennement avaient un risque 28% inférieur d'accident vasculaire cérébral et un risque 18% inférieur de mourir d'une maladie cardiaque. Les chercheurs ont suggéré que l'une des explications pourrait être le fait que les œufs contiennent des nutriments sains pour le cœur tels que l'acide folique et les acides gras oméga 3, qui sont connus pour abaisser les taux de triglycérides sanguins, un facteur du risque connu de maladie cardiaque. Le cholestérol dans les œufs. Le jaune d'œuf contient beaucoup de cholestérol, mais le niveau dans notre corps n'est même pas affecté par la consommation régulière d'œufs. Le cholestérol dans les aliments et le cholestérol dans le sang sont deux choses différentes. Le cholestérol contenu dans les aliments que nous consommons n'a rien à voir avec le mauvais cholestérol sanguin car il est produit par certaines cellules de notre corps et par le foie. Les œufs sont l'un des aliments les plus nutritifs. Ils contiennent beaucoup de protéines, vitamines A, D, E, B5, B9 et B12 ainsi que de la lutéine et de la zéaxanthine, qui contribuent au renforcement de la vue. Ils sont également riches en choline, qui est excellente pour la santé et le développement du cerveau. Les œufs favorisent la production de bon cholestérol. Les œufs aident non seulement le foie à bloquer la production de lipoprotéines de basse densité, qui sont un type de cholestérol nocif qui obstrue les vaisseaux sanguins et provoque diverses maladies, mais contribue également à la production de lipoprotéines. Selon une étude iranienne de 2015, la densité, qui est un cholestérol utile qui affecte positivement les vaisseaux sanguins et la santé cardiaque. De plus, la consommation quotidienne d'un œuf est connue pour améliorer la vue grâce à la présence de lutéine et améliorer la mémoire grâce à la vitamine B. Sa richesse nutritionnelle et en micronutriments en fait un aliment qui répond aux besoins des femmes enceintes et du fœtus. Sa haute teneur en caroténoïdes et en vitamine A, C et E protègent contre le cancer du sein, selon une étude de l'Université Harvard. N'abusez pas de la consommation d'œufs comme tout autre aliment. Ils contiennent beaucoup de protéines et manger trop entraîne une surcharge rénale excessive. Les femmes enceintes devraient éviter de manger des œufs crus car les protéines contiennent de la l'avidine. Une substance qui se lie à la biotine, une autre substance qui fait souvent défaut aux femmes enceintes. Le jaune d'œuf est inoffensif.